Schmitt qui accélère, ça devient difficile avec à deux longueurs de retard. Il y avait le champion de Bretagne, Yvan Gicquiou. Il va rester également trois autres auteurs qui se réitèrent le formation au passage, qui va se tenir en serrant. Ça attaque, vous pouvez s'en douter avec Yvan Gicquiou, cette fois-ci d'ouvert.
respect comme il se doit pour la succession palmarès de Mathieu Gauthier, un autre représentant de la formation des Côtes d'Armor, Marie Morin donc, qui va se rappeler à notre bon souvenir, puisque l'on sera dans un petit instant, ce sera bel et bien avec Fabien Schmitt, dont on sait les états de service en tout point exemplaires, pour celui qui peut notamment s'enorgueillir d'avoir été le lauréat cette année à 5 reprises, la 6e victoire qui va se dessiner dans un petit instant pour celui qui a été le vainqueur d'étape sur le Tour de l'Estuaire, qui avait remporté également les boucles de Loust, qui a été le lauréat de la Ronde Briochine, double vainqueur sur le Tour de la Manche, où il avait remporté certes à l'étape de Granville, il avait enlevé également en parallèle le classement général au niveau du Tour de la Manche. L'accueil dans un petit instant donc, ça va concerner le vainqueur de la nouvelle édition, de l'édition 2017 du Grand Prix de Moncontour, qui va succéder au palmarès de Mathieu Gauthier, qui avait été le lauréat en 2015, vainqueur également l'an passé puisqu'il avait doublé la mise. L'accueil avec l'ovation, voilà pour Fabien Schmitt, on va l'accueillir avec les honneurs dus à son rang. Merci de l'applaudir comme il se doit, un tonnerre d'applaudissements. Félicitations à Fabien Schmitt. Arrivé pour les uns les autres. L'arrivée cette fois-ci donc aux abords du podium d'animation. On invitera les spectateurs à bien rester sur les bas-côtés. Le triplé pour la formation des Côtes d'Armor, Marie Morin. Voilà donc cette fois-ci avec le Lavandier en deuxième position. Florian Cam qui était pour sa peur en troisième position. Et nous sommes également avec un autre coureur des Côtes d'Armor. 4 coureurs des Côtes d'Armor, Maxime Cam. Quant à lui, en quatrième position, il y avait Nicolas David. Les coureurs également de la Sojasun. Voilà la démonstration, le raz-de-marée de la formation des Côtes d'Armor Marie Morin, sous l'œil avisé de monsieur Alain Morin qui nous a rejoint sur le podium d'animation. Félicitations à l'ensemble des coureurs, quelle que soit la position des uns et des autres. On pense notamment à Adrien Legros, c'était l'arrivée également pour les autres représentants du vélo club du Pays de l'Orient, notamment le champion du Morbihan, Mathieu Alléguin, celui qui avait remporté le Paris Tour. Nous sommes également avec Fabien Le Breton, celui qui a été le deuxième sur le Grand Prix Super U. On salue également Maxime Oliveux, dont c'était l'arrivée un autre coureur, le champion de poursuite, le champion des Côtes d'Armor de poursuite qui en termine, Samuel Burlon, je le salue. C'était l'arrivée également pour les sociétaires du team du Pays d'Ilan, puisque les coureurs de Michel.